Édouard Martin, bonjour. Vous êtes député européen, mais dans une autre vie pas si lointaine, vous étiez ouvrier, syndicaliste et, n'ayons pas peur des mots, le fort en gueule de Florange, un des sites sidérurgiques en France dont on a beaucoup parlé lors de la fermeture des hauts fourneaux. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des épinards. Normal, il y a du fer dedans. Et d'abord, bête question. Depuis que vous êtes député européen, ça vous arrive de retourner sur les lieux du crime, de retourner à Florange ? Mais j'y vais régulièrement, j'habite à 5 km de Florange, donc je vois régulièrement mes collègues, c'est en moyenne 2 à 3 fois par mois, et donc oui, j'y vais régulièrement. Et vous payez des pots ? Et je paye, entre autres, je paye des pots, mais on ne fait pas que ça, on ne fait pas que boire. Alors, on échange beaucoup, on fait le point sur la situation, comment vont les collègues, comment on voit le carnet de commandes, etc. etc. Donc je suis ça quand même, je ne dis pas de très près, mais je suis ça. Alors 2016 risque d'être une année très difficile pour Florange et pour la sidérurgie en Europe en général. Vous avez remis un rapport ici au Parlement européen pour tirer le signal d'alarme et dénoncer notamment la concurrence des Chinois. Ils n'ont pas le droit de vendre, les Chinois ? Alors déjà, j'ai envie de dire que face à cette concurrence déloyale, Florange est le site qui s'en tire le moins mal aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout le monde va bien, mais ce n'est pas une question de que les Chinois n'ont pas le droit de vendre l'acier en Europe. Bien sûr qu'ils ont le droit de vendre, mais ils ont le droit de vendre aux mêmes conditions que nous. Mmh. Aujourd'hui, la Chine, justement pour vendre la surcapacité de production, je rappelle 350 millions de tonnes, c'est deux fois plus que la consommation européenne par an. Donc l'État chinois, à travers un coup de subvention, aide aux exportations de l'acier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'acier chinois se retrouve sur le marché européen à des prix défiant toute concurrence, quasiment deux fois moins cher que l'acier européen. Donc vous comprendrez bien que la concurrence aujourd'hui est complètement faussée, elle est déloyale. Et surtout que les règles européennes interdisent aux États membres d'avoir des subventions publiques pour aider à la vente. Donc vous voyez que... Mais alors qu'est-ce que la Commission européenne peut faire ? Comment on peut se protéger ? Il faut moderniser les outils de défense commerciale, un peu comme le font les Américains. Et à partir du moment où un produit, là en l'occurrence l'acier, pénètre le marché européen et qui vient complètement déstabiliser le prix du marché, eh bien il faut mettre en place des taxes aux frontières, comme les Américains, à hauteur de 256%. Et je n'ai pas vu la Chine déclarer la guerre aux États-Unis. J'ai simplement envie de dire que l'Europe, il faut qu'elle arrête d'être la grande idiote de cette planète-là. Aujourd'hui, les taxes maximum permis par nos règles, c'est 20%. Ça ne suffira pas à rééquilibrer justement cette économie qui est complètement faussée. Mais alors pourquoi la Commission européenne ne change pas les règles et est-ce qu'elle peut le faire ? Vaste question. Si on veut, on peut. Il faut qu'effectivement, d'ailleurs, il y a eu un conseil compétitivité le 29 février dernier où la question qui était posée, est-ce qu'on est d'accord pour moderniser les outils de défense commerciale qui aujourd'hui ne sont pas adaptés ? Un certain nombre de pays se sont refusés. Donc vous voyez que là, c'est pas en l'occurrence sur ce coup-là, c'est pas la Commission qui est fautive, c'est le Conseil. Donc les États, les chefs d'État, les mêmes, qui, les faux culs, parce que ce sont des faux culs pour beaucoup, viennent dire à Bruxelles, il faut vite prendre des mesures pour protéger notre secteur. Et dès lors qu'ils se réunissent ici à Bruxelles pour essayer de prendre, de moderniser les outils, ils disent, ah non, surtout pas. Donc vous voyez, c'est le chat qui se mord la queue. C'est beaucoup plus facile après de retourner dans son pays, dire, c'est pas moi, c'est Bruxelles. Finalement, dans ce dossier, vous vous retrouvez à côté des patrons qui s'inquiètent également. Écoutez, si se retrouver à côté des patrons, c'est effectivement défendre l'intérêt des citoyens européens, donc l'intérêt des emplois. Je rappelle qu'un emploi industriel en engendre trois autres, donc c'est quasiment plus d'un million d'emplois aujourd'hui qui sont impactés par cette concurrence déloyale. Si c'est ça, être à côté des patrons, alors oui, je veux bien le taxer de ce côté-là. Alors, on va parler un petit peu du gouvernement français qui veut faire passer un nouveau code du travail, une réforme du code du travail pour donner plus de flexibilité aux employeurs, ce qui devrait permettre de relancer l'emploi. Mais il y a un mouvement de protestation en France qui s'appelle d'ailleurs on vaut mieux que ça. On va regarder un extrait, un petit clip de ce mouvement. On a tous fait des boulots de merde. Certains d'entre nous en font encore. Mais ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre sans être réduit à cette seule dimension de travailleur-consommateur. Les politiques ne nous donnent jamais la parole. Aujourd'hui, il est temps de la reprendre. Hey, copain, c'est quoi ? Ton boulot, il n'y a personne qui en parlera mieux que toi. Alors va sur le réseau social de ton choix, utilise le tag « on vaut mieux que ça » et raconte-nous la dernière fois qu'au taf, t'as eu l'impression qu'on se foutait de ta gueule. Alors vous êtes prêt à signer bien sûr, auprès de ce mouvement ? Et ils ont raison. Vous savez, la crédibilité d'un homme politique ou d'une femme politique, peu importe,
C'est... Vous en êtes un, hein, bien sûr, mais bien sûr. C'est le débat qu'on a régulièrement ici. C'est d'être en capacité de s'appliquer à soi-même ce qu'on préconise pour les autres. Donc, Madame El Khomri, M. Valls et M. Macron, ils ne seront crédibles que s'ils s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils veulent aujourd'hui imposer au monde du travail. De quoi s'agit-il? C'est effectivement, encore une fois de plus, essayer de tirer vers le bas le coût du travail. Aujourd'hui, l'obsession de beaucoup d'États, de la Commission, du Conseil, c'est il faut réduire les coûts le coût du travail, réduire le coût du travail pour être compétitif. Mais on l'a vu qu'avec la Chine, on pourra baisser le coût du travail comme on voudra, on ne sera jamais compétitif face à un continent comme la Chine où les salariés sont payés 200 dollars par mois, ils travaillent 60 heures par semaine et ils ont surtout un seul droit, c'est de fermer sa gueule. Donc c'est ça qu'on veut, c'est quand même extraordinaire. Mais on ne parle jamais, et pour cause, du reste. Je rappelle quand même que l'impact du coût du travail sur un produit manufacturé, c'est entre 15 et 20%. Les 80% restants, c'est les coûts d'énergie, matières premières, coûts du capital, etc. Mais on n'en parle jamais. Et on est en train d'organiser la concurrence au niveau européen, puisque cette fameuse loi El Khomri, elle ressemble étrangement à la loi Rajoy, qui a été votée il y a quelques années en Espagne, où on voit ce que ça a donné. C'est une explosion de la précarité. Voilà ce qu'on veut, et donc moi je suis effectivement pas favorable à cette loi. Vous critiquez le Parti Socialiste en Mais France Je critique. Non, alors déjà vous faites exprès, je suis effectivement élu sur une. Mais quand bien même je l'étais, je suis élu sur une liste socialiste, mais je ne suis pas en quartier au Parti Socialiste. Et en l'occurrence là, pour le coup, c'est le gouvernement que je critique, et je n'ai pas l'impression que ce gouvernement-là, en tout cas cette loi-là, elle soit vraiment socialiste. Édouard Martin, prenez une petite boule surprise avec une question surprise, et vous la lisez à haute voix, et bien sûr, sans crainte, ce n'est pas votre genre. Mais jamais. Mettez vos lunettes. Ouais, ça c'est. Qui a dit Florange est le résultat d'une politique du vide industriel? Alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et il me semble, ça ne serait pas Arnaud Montebourg qui aurait dit ça? Non, c'est Florian Philippot, vice-président du Front National. D'accord. Avec lequel vous vous retrouvez d'accord, c'est extraordinaire. Non, mais attendez. Si je dis que ça c'est rond, est-ce que vous êtes en désaccord avec moi? Il y a des évidences qui sont qui sont pas discutables. C'est vrai que même les montres arrêtées donnent l'heure exacte. Exactement. Une fois par jour. Ce que je veux dire par là, c'est que le vide industriel, il date pas d'aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'en France et notamment en Europe, il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas de politique industrielle. C'est la politique industrielle qui a été décidée par tous les États. C'est on privatise l'industrie, on privatise les secteurs stratégiques et ce sont les patrons d'entreprises qui feront leur propre politique industrielle. Et la politique industrielle d'un patron, c'est d'abord le business. Tant que je gagne de l'argent, je reste installé sur un territoire. Le jour où je n'en gagne pas ou pas assez, je m'en vais. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique industrielle. Édouard Martin, merci d'être venu au bar de l'Europe. Merci à vous. Et comme vous avez un moral d'acier, on va s'attaquer à ces épinards. Très bien. Je vais enfin m'y mettre.